Igot The Keys a eu vent du changement de coach Atley à l'INSEP. Grâce à ses indics, Nguerane a mis la main sur le calendrier d'entraînement. Il lui en fallait pas moins pour fouiner du côté de Almegro, là où s'entraînent au chaud les meilleurs sprinteurs français. Aujourd'hui, point de pointe, les guépards sont à l'arrêt, c'est la fonte qui s'impose. Et pour voir Jimmy Vico descendre à nouveau sous la barre des 10 secondes, il faudra attendre quelques semaines. Une chose est certaine, Igot The Keys sera présent. Là, je suis en plein entraînement. Ouais. Autant il y a des sports bruyants, autant l'athlétisme. Je vais voir Jimmy Vico, ouais. Recordman d'Europe du 100 mètres. Après des JO de Rio un petit peu décevant pour lui parce qu'il n'a pas réussi à atteindre son objectif du podium, là, il repart avec un nouvel entraîneur, Dimitri Demenière, toujours à l'INSEP. Alors on va pas trop les déranger, d'habitude je vais voir les gens, je leur dis ton sport est un peu pourri, mais là je vais pas le faire. Un, parce que j'ai peur, et deux, parce qu'on a dit qu'on dérangerait pas trop. Je suis un homme devant la caméra. Ça. On s'en fout la Gatline. Comment on entraîne un mec qui fait régulièrement moins de 10 secondes? Eh bien justement, moi ça va être une première pour moi. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses en Europe, il n'y en a pas des masses dans le monde non plus. Et donc en fait, on est sur une phase où on apprend à se reconnaître. C'est avec Jimmy, il a évolué entre temps, il a progressé sur beaucoup de secteurs. Et donc on se redécouvre et puis on est en train de mettre progressivement en place le programme d'entraînement. Ça fait un petit peu moins d'un mois qu'on a repris. On est sur la quatrième semaine d'entraînement. Et donc là, c'est là où c'est dur, quoi. Là, la séance d'aujourd'hui, c'est quoi? La séance d'aujourd'hui, c'est une petite séance de musculation. 90, 80, 70 en charge. Une séance qui est assez fatigante, on va dire. Plus dans le travail de profondeur. Le pic de forme, il faut qu'il arrive au bon moment. Voilà, il y a plusieurs phases d'entraînement et justement, l'objectif, c'est de l'amener à son meilleur niveau de forme au moment, à l'instant T, quoi. J'ai parlé de Jimmy, mais on va aussi donner le nom de ses deux autres camarades d'entraînement. Donc on a Stuart Dutambi, l'année dernière, qui a fait 10-12 sur le 100 mètres. Je savais qu'il y avait Jimmy Vico qui s'entraînait ici à l'INSEP et je me suis dit, bon, faut que je vienne. En plus, il y a Gaël Fesch aussi, on est de la même génération. On a les mêmes capacités physiques, on a des gabarits qui se ressemblent, donc c'était vachement intéressant de bosser ensemble. J'aimerais bien faire partie de votre groupe, mais c'est vrai que physiquement, c'est pas homogène. On a 2 heures pour essayer de changer ça, là. Alors attends, c'est-à-dire que là, on est en train de me dire que là, en 2 heures... En 2 heures. Et on a Guy Elfèche Anouman, qui lui aussi est un sprinter sur 100 mètres, qui a été en moins de 23 ans champion, médaillé au championnat d'Europe sur le saut en longueur. Je suis à 12 aussi au 100. Oh. Minute. Ah merde. Bon, ben je vais venir te pousser alors. Ils sont hyper baraqués du haut du corps, les sprinteurs. Pourquoi? Parce que je dis, pourquoi faire? Mais les sprinteurs sont baraqués. Bon, de manière générale, avant, on avait sur les on va dire entre les années 80 et 90, on avait des sprinteurs hyper bodybuildés. Donovan Bailey, les Ben Johnson, Donovan Bailey, Maurice Green. Voilà. Et là, on en a tendance plus maintenant à voir des sprinteurs un petit peu plus longilignes, plus efficaces avec une foulée un peu plus ample. La tendance, elle est beaucoup plus longiligne maintenant au niveau des sprinteurs et on voit que le niveau de performance n'est plus le même non plus qu'il y a 20 ans. Ouais, non. T'as l'air d'être plutôt bien en groupe.
j'ai l'impression. Bah, on est pas mal, vraiment. Bon, en plus, on n'est pas beaucoup, on est 4. L'année dernière, on était 12, donc c'était un peu compliqué. Donc, déjà, c'était beaucoup. Tout le monde veut aussi un peu d'attention, donc c'est plus compliqué. Mais là, on est 4, c'est parfait. Le coach, il a l'œil pour tout le monde, donc en plus, c'est rapide. Donc, en plus, on s'amuse. Donc, c'est vraiment la détente. Et le but, c'est bosser, voilà. Alors, on dit que t'aimes pas trop les caméras, mais en fait, c'est pas vrai. Je crois que je vais demander la prochaine fois à filmer, mais mon collègue, comme Vico TV, ça marche maintenant. Moi, je vais au char maintenant. Je vous le dis, c'est tout. Voilà, donc on lance officiellement Vico TV, c'est comme IMCEP TV mais tout est filmé par Jimmy Vico. Bonjour Stuart IMCEP TV. Comment ça va? Et vous? Ça va très bien. Les machines de Stuart du Tambi ici présente. L'américain qui arrive en retard, vous pouvez filmer. Alors c'est 1€ par minute. C'est 1€, c'est ça. Ouh là 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 là. Appelle ton banquier. Ça mérite déjà un petit restaurant. On a le petit resto. Il joue encore à Pokémon. Il joue à Pokémon, il l'avoue, et je vais le suivre, je pense, aussi. Je fous la caméra par terre, je vais rigoler. Tu as fait quelle séance aujourd'hui? Alors, petite séance de musculation. Oui. Pour un peu, tu vois, parce que j'ai les biceps un peu petits. Ouais, je vois qu'elle met de plus, hein. Ouh. Allez, fais un petit exogi, montre la puissance. Ouais, je vais me rater comme par hasard. De la Côte d'Ivoire. On m'a dit qu'en 2 heures, je peux avoir le physique de Stuart du Tambi. C'est Stuart du Tambi qui me l'a dit. Bon, il a menti, ça c'est pas grave. 2 heures, 3 fois par jour. D'accord, donc il n'avait pas fini la phrase. Ouais, je pense.